Mademoiselle Manolita s'est installée de ce côté. Ayez l'obligeance de vous placer là-bas. Ton costume, merveilleux. Et passe-pourriant. Si on fait de la publicité, que ce soit une publicité originale. Oui, Mélina, je t'en prie, fais attention. On m'a dit que Manolita a pris des leçons d'escrime toute la semaine avec un maître d'armes. Ouf. Ah oui? Oui. Et moi, je suis allée à la Porte Saint-Martin voir les trois mousquetaires. On verra bien si son maître d'armes sait mieux se battre que D'Artagnan. Mademoiselle, où sont vos seconds? Mes seconds? Je suis assez grande pour me battre sans l'aide de personne. Les seconds ne se battent pas, mademoiselle. Ils vous assistent. C'est l'usage. Mais oui, Lina, c'est l'usage. Le second, c'est moi. Il va y avoir deux seconds, madame. Oh? Oui. Charlotte! Viens! Eh bien, qu'est-ce qu'on attend pour commencer? Oui. Germain, où en sont les choses? Ces dames se déshabillent, madame la comtesse. Ah. Ce chapitre-là, ce n'est pas pour toi, mon petit. Et il faudrait que je croise le fer avec cette lavandière. Oh, mademoiselle, êtes-vous prête? On ne peut plus prête. Merci, mademoiselle. Du sang-froid, Blanche. Mademoiselle Cavalieri est prête. Moi aussi. À nous deux. Mais qu'est-ce que tu fais, mon doux ange? Je suis mais enfin, prête. Mais enfin, trésor, vous ne pas votre trésor. Je vous dis non de vous couper. Mais vous oui, mon trésor, oh, voyons. Oh, mêlez-vous de vos oignons. Oh, Manolita, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Riez, riez, rira bien qui rira le dernier. Vous entendez cette cocotte? Elle va me faire peur avec son cactus. Veuillez m'apporter les armes, s'il vous plaît. Allons! S'il vous plaît, madame. À vous, madame. Attendez, mademoiselle, attendez. Ne prenez pas tant de peine, je vais l'embrocher toute crue. Je vous en prie, mademoiselle, un peu de respect pour les usages. Allez-y, saluez-vous. Prête. Hein? En garde. Allez, mesdames. Hein? Et qu'est-ce qui vous arrive? Allons! Allez, mesdames! À douche.
Allez, mesdames. Désolé, mon bon vent, c'est pourquoi que j'avais monté toute cette affaire. Bravo, mon cher. Vous avez eu là une idée mirobolante. Merci, merci. François Duval, je suis le directeur des Folies Plastiques. Oh. Mes compliments, mademoiselle. J'espère que vous consentirez à être la vedette de mon prochain spectacle. La vedette? Je vous signerai le contrat que vous voudrez. C'est à vous d'en fixer les conditions. Oh, j'accepte, avec joie. Vous permettez? Merci.